Jésus-Christ est Seigneur, vraiment Seigneur, pour l'éternité. Aïe, 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 aïe. Deux s'abonner. Malgré TV plein de vous, avec vous, pour vous, ou le Dieu avec Dieu pour Dieu. La promotion de toute œuvre spirituelle, l'œuvre chrétienne, c'est nous. L'assemblée au nom de Jésus. Tu vas m'aider aussi à saluer celui qui est à côté. À gauche et à ta droite. Nous saluons aussi la présence des hommes de Dieu parmi nous. Là, je vois la présence de Malembe TV qui est devant nous. Nous acclamons pour la présence de Malembe TV parmi nous aujourd'hui. 1 Samuel. Nous allons lire deux versets. 1 Samuel chapitre 30 versets 4 à 6. Samuel wa kwanza salasini mustari ndogo wa ine paka sita. Et nous allons lire aussi Jacques chapitre 5, Jacob tano pia, versets 10 à 11. Mustari ndogo Jacques chapitre 5, Jacob tano, versets 10 à 11. Mustari ndogo wa kumi paka kumi na moja. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Nasoma neno la Mungu kwa jina la Yesu Kristo. Wapendwa katika Bwana, je crois aujourd'hui nous sommes au-delà du millier du premier mois de l'année 2019. Nafikiri leo tayari tumevuka katikati ya mwezi wa kwanza. Si j'ai une bonne mémoire, aujourd'hui nous sommes les 20. Nikifikiri leo ni siku 20. Pour cette année 2019, c'est une année que nous marchons selon la pensée de Dieu. Comme nous, enfants de l'église puissante de la Croix, nous marchons à la parole de Dieu chaque année. Chaque année, le Seigneur nous communique sa pensée. Il nous communique ce qu'il veut accomplir dans notre vie tout au long de l'année. Parce que notre Dieu, dans ses habitudes, il annonce la chose au commencement avant même que la chose ne soit accomplie. Même les choses qui ne sont pas encore montées dans le cœur. Même les choses que l'oreille n'a jamais entendues. Les choses que l'œil n'a jamais vues. Notre Dieu, pour se différencier des hommes, il annonce ce qu'il va faire avant d'accomplir les choses qu'il a prévues. Ce n'est pas de marcher selon sa force. La pensée de l'éternité,
Tu dois prendre au sérieux ce que nous vous disons de la part de Dieu. Mais si vous ne prenez pas au sérieux, vous avez de quoi bien aimer regretter à la fin de cette année. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Tout ce que Dieu dit, ça doit s'accomplir. Non pas à notre temps, mais c'est par rapport à son temps, lui Dieu. Quelqu'un peut avoir l'intention d'avoir le mariage aujourd'hui. Si dans le plan de Dieu, et que tu te maries au mois de novembre, tu peux plus faire aujourd'hui, bien aimé, ce mariage-là ne sera pas un bon mariage de la part de Dieu. Je crois que ça c'est une grande question. Seigneur, tu me dis que non, je serai stable cette année. Est-ce que ça sera un gâteau que tu as mis dans le plateau? Beaucoup d'enfants de Dieu aiment la facilité. Beaucoup d'enfants de Dieu n'aiment pas travailler. À son peuple Israël. Et non, moi Dieu, je vais vous donner un pays où coule le lait et le miel. Vous pensez que non, là à Cana, il y avait des robinets de miel, il y avait des robinets de lait. Alors ne pense pas que l'année
dormir. Ne pense pas que l'année 2019 c'est une année de paresse. C'est là qui dorme du matin jusqu'au soir. Alikosa kustarehe.
ses bras. Daoudi a kukunda mikono. David a continué toujours de à travailler. Daoud a l'énergie à tout kutumika. On l'a envoyé David pour une deuxième fois à Hébron devant sa tribu. On a pas gâté dans la pile Hébron, mais il y a taïfalaki. Des choses étonnantes. La Bible dit, avant que les ennemis ne partent, ils ont pris le feu, ils ont consumé toute la ville. Ils se sont mis à pleurer. Pour cette année bien-aimée, ça peut t'arriver. Le diable peut provoquer des événements pour te faire pleurer. Parce qu'il est contre ta stabilité. Il est contre que toi tu sois dans la joie. Adviennent tous ces Cette année, c'est de voir la stabilité de mon peuple, la RDC.
toi. Malgré la maladie du diable et ses acolytes, tout ce que moi je crois cette année, mon peuple Congo sera dans la stabilité. Mon peuple Congo sera dans la joie. Je ne sais pas comment, je ne sais pas à travers qui, mais tout ce que je crois, Dieu est fidèle à sa parole. Cette année 2019, même si tu ne servais pas Dieu, engage-toi à la chose de Dieu cette année plus que toutes les autres années. Cette année 2019, bien-aimé, donne comme tu n'as jamais donné à aucune année que tu as connue dans la vie. Cette année 2019, engage-toi dans la prière plus que les autres années. Cette année 2019, plus grande est la promesse. La promesse ou la prophétie, telle sera aussi la grandeur de son combat. Ne pense pas que la stabilité viendra en riant comme ça. Engage-toi à Dieu. Engage-toi à la chose de Dieu. Sois concentré à Dieu. Année 2019, tu vas vivre la stabilité. Tu vois ce qui te faisait pleurer dans ton foyer. Ça sera disparu. Il t'attend. Amen. Ma Bible dit, David, il s'appuya, il se confia, il se fortifia à l'Éternel, son Dieu. Attends, t'as lié. Même si tu peux pleurer. Attends, t'as kuzara. Même si on peut te. Attends, t'as kuachilia. Même si on peut te délaisser. Attends, ton événement est rangi. Même si tu vois n'importe quel événement. Ne perds pas courage. Tu supposes. T'es guéri à tout monde. Appuie-toi sur l'Éternel. Tu me disais que quelque chose qui ne pingue pas, je sais non. Papa, moi, non, c'est manque. Il faut stabilité. Moi, non, ma problème est la bonne âme. Moi, non, ma problème est la vie âme. Moi, non,
maladies. Ah ah! Non. Binaweza kuya. Cela peut arriver. Mais tout ce que tu dois faire. Appuie-toi sur l'Éternel ton Dieu. Amen. Appuie-toi sur l'Éternel ton Dieu. Et la Bible dit, David est allé consulter ses dieux. Il est allé contacter Dieu. Il est allé poser la question à Dieu. Mais Seigneur, Dieu lui a dit, Fatana n'a pas de l'andana n'a pas de Fatana n'a pas de badou. L'andana n'a pas de badou. T'as coupé Tiana. N'a pas de bango. Mon cadet me disait bien aimé, t'aimes à Missoka. Oula, oyo. David était confiant. David a dit quoi la quitte. David a poursuivi les ennemis. La Bible dit, il est arrivé en cours de route. Il a trouvé un Égyptien. Abandonné par son chef. Parce qu'il était malade. Et à cet état-là de maladie. Il manquait même à manger et à boire. C'était un ennemi. Au lieu que Dieu envoie un ami, mais Dieu dispose un ennemi. Voici à Mungu Kutuma Rafiki Lakina Naweka na Tayarisha. Non. La porte que Dieu va utiliser cette année, toi tu ne la connais pas. Mulango, Mumbataka et Timisa, ah oui, tu. Les gens que Dieu va utiliser cette année, peut-être les gens que toi tu n'as jamais pensé. Un ennemi adoui abandonné par son chef, le provocateur d'événements, un Dieu multisystème, un Dieu aux multiples possibilités, a permis que l'ennemi tombe malade, et a permis que l'ennemi tombe malade, et a permis que l'ennemi soit abandonné. Mais au lieu que David la chef. Voulez que David le tue. David lui a donné le pain. David lui a donné aussi à boire. Quand il a eu la force, David lui a posé la question. Et c'est lui maintenant qui a donné le plan de guerre. Amen. Et le femme, les enfants, tout ce qui était parti. Les dieux de récupération. Les dieux qui nous ont dit cette année 2019. Les années que nous avons perdues. En train de pleurer. Nous allons les récupérer. Ça sera pour nous les années de la joie. Les occasions perdues. Pour les voyages. Pour toucher l'argent. Pour le travail. Pour l'élévation. C'est ça Dieu. Alléluia. Ne pense pas bien aimé. Vous suffiriez un peu. Que comme Dieu nous a dit, c'est une année de réjouissance. C'est une année de stabilité. C'est une
baptise au Mimba la Michongo. Même si cela vient. Nous avons un Dieu. C'est moi, nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu. Jacques nous dit, vous avez écouté, on a parlé de Job. On a parlé, Job était un riche. Job avait beaucoup d'argent, il avait beaucoup d'élevage, il avait des fils et des filles, il avait une belle femme. Mais a été menacé au point de se retrouver parmi les pauvres, au point de se retrouver malade, au point de se retrouver bien-aimé sans enfant, au point de se retrouver pas même avec un franc. Tout était parti. Mais aussi, comment Job avait patienté et comment Dieu avait rémunéré, comment Dieu avait restitué, comment Job avait récupéré tout ce qui était perdu. Et pas une seule fois, mais ce qui était perdu, Job avait récupéré deux fois. Amen. Toujours se culpabiliser. Oh non, moi je suis pauvre parce que j'étais né par une maman pauvre, par un papa pauvre. Si je suis pauvre, c'est à cause de ma famille. Si je suis pauvre parce que je n'avais pas étudié. Si je suis comme ça, c'est parce que je n'avais pas de mariage. Pourquoi tu te culpabilises? Pourquoi tout ça? Confie-toi à Dieu. D'abord, Dieu te montre combien il est compatissant. Il te pardonne. Sans que toi tu demandes pardon. Et les conséquences qui allaient t'attraper à cause de ton péché. Dieu enlève aussi sans que toi tu ne gênes, sans que toi tu ne pries. C'est ça la miséricorde. Amen. Or la Bible nous dit la miséricorde de Dieu dira toujours. Oh non, parce que j'avais fait ça. C'est pourquoi moi je ne réussirai pas dans la vie. Oh, parce que je suis né de telle maman là. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Le Dieu que tu es venu prier, c'est un Dieu de récupération. Le Dieu que tu es venu prier, c'est un Dieu de miséricorde. C'est un Dieu. La Bible dit, si on se confie en lui, on ne sera jamais confié. Tout ça pour
ce que Job avait perdu. Il a récupéré double. Deux fois. Au point qu'il y a un jour, Job a dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Tu verras Dieu cette année. Moi, je ne fais pas la publicité d'un Dieu qui n'est qu'incapable. Mais je fais la publicité d'un Dieu capable. Un Dieu, un jour, un homme qu'on appelle Jephté. Jephté était abandonné par ses frères. Ses frères l'avaient chassé. Va-t'en de la maison de notre père. Parce que ta maman, c'est une prostituée. Quelle injustice! Quelle injustice! Quelle haine! Quelle jalousie! Mais le Dieu de récupération n'a pas abandonné Jephté. Il n'a pas abandonné Jephté. Là où il était parti, un jour, les mêmes gens qui l'avaient chassé sont allés. Jephté, nous avions parlé de cet homme qu'on appelle Jéroboam.
Jéroboam bien-aimé était un coupeur de bois, était un esclave. Jéroboam alikuwa mufungwa. Mais Dieu a fait des miracles dans sa vie. Lakini Mungu akatenda miujiza maishani mwake. Un esclave, un coupeur de bois, un villageois, alikuwa maskini mtu wa kukata miti. Mais Dieu lui a donné la royauté. Lakini Mungu anampatia ufalme. Ne te minimise pas. Pour non, mis kusomaka. Oh non, mis na ndugu bulaya. Non. Quand Dieu dit un mot, il saura comment il va l'exécuter. Ne perds pas courage. Ne perds pas courage. Tu as tenté, tu n'as pas réussi. Tente encore. Tu as fait, ça n'a pas marché. Fais encore. Travaille. Cette année, prie. J'ai prié. Tu as prié. Prie encore. Il ne faut pas dire, j'ai donné. Donne encore. Mais tout ce que toi tu cherches, c'est de voir la matérialisation de la parole de Dieu. Amen. 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 Apprends à pardonner. Ne sois pas conflictuel. Ne sois pas rancunier. Vous savez, Samson, on l'avait coupé les cheveux. C'est Dieu. Les ennemis de Samson avaient coupé les cheveux de Samson. Ils avaient pensé que c'était tout. C'était fini. Tu vois comment tu as perdu la chose là? C'est que tu as perdu. Ce n'est pas la fin du monde. Mais ce qui est vrai, ils avaient coupé les cheveux. Ils n'avaient pas déraciné la grâce. Ils avaient coupé les cheveux. Mais ils avaient oublié que la grâce qui fait pousser les cheveux n'était pas coupée. Amen. Banaongea mpaka banamaliza. Hakuna problem. Si unamaliza, si usoro. Mimi neema ingani? Mboleza nani? Banakutesa, banazalia ndio mwisho. Banyoko ndio timu. Mimi neema ingani? Babosa nike mboleza nani? Balikata nywele, makata kisuku. Mimi bakutosha neema. Basi balongola kimbolute. Quelques temps après, les cheveux étaient encore là. Et Samson a dit, cette fois-ci Seigneur, que je meurs avec les ennemis. Et la Bible dit ce jour-là, les gens que Samson avait tués pendant qu'il était vivant étaient un petit nombre. Et les gens qui étaient décédés ce jour-là étaient beaucoup de gens. Parce que la grâce était encore. 2019, réellement pour nous c'est une année de réjouissance. Réellement pour nous c'est une année de stabilité. Nous n'avons pas de quoi perdre courage. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Alléluia.
Basta taba mama, bonjour sur l'énergie énergie kilo ya Africa. Bon s'abonner. Balubi ya baluka kinga pe baluka ka. Si le lo baiba kité de sikani naza. Na minute o naza na kati ya base. Et ça la mouzu a té. Ya modé, ya via, ya si la bisabu, ya irsil. Ah, ya pakaloui, papa koba, naza déjà na base. Binonde, mon fini ya Africa. Bon s'abonner. Ma docteur, on va continuer à faire une adoration. Ah ah ah! Babi, yende ma kambo. Ah, y'a piston waboué. Et ça, n'angozoua, des essais n'angozoua. Y'a pas la malembe TV. Pour qu'on ande, on découvre énergie. Pour qu'on ait qui ça y'a. Bon s'abonner. La carte à malembe TV. Tout ça, la mariage. Tout ça, la prédication. Tout ça, la émission. Tout ça, la navassine. Cinéma ou le tout le monde qui sac. Merci.